quand je parle du potentiel, c'est qu'il a même ouvert ses d'autres portes, puisque aujourd'hui il est même coffretier, il est dans un autre domaine, il m'apprend même certaines choses souvent. J'avais envie de sortir des sentiers battus. Un peu comme dans la danse, t'as envie d'avoir ton style et de sortir des sentiers battus. J'essayais de demander à droite à gauche chez les fournisseurs s'ils connaissaient pas des ouvreurs de coffres. Et à chaque fois, on me disait les mecs ils vont pas t'apprendre, moi j'en connais un, mais c'était un ancien braqueur, etc. Donc on me racontait des espèces d'histoires fantastiques. J'ai compris très vite qu'il fallait que je fasse du terrain. J'ai compris très vite qu'il fallait que je me casse les dents comme dans les portes. Et j'ai compris très vite aussi qu'il me fallait un mentor, mais vraiment quelqu'un qui connaisse vraiment beaucoup le truc. Je m'appelle Jean-Christophe. J'ai maintenant 25 ans de métier derrière moi, dans une activité plutôt restreinte, qui est celle de l'ouverture de coffre-fort. Et on me connaît aussi sous le nom de Vidoc. Regarde celle-ci. Hein. Ouais. Tu te concentres bien, je mets la lumière dessus. Quand je rentre la clé, le bout de la clé va abaisser. Tu vois là, on découvre une encoche. Ouais. Tu la vois, mais il y a un tout petit bout qui dépasse. Ce tout petit bout-là. Donc là, c'est-à-dire que je n'ai pas assez taillé en profondeur. Ok, ok. Il faut que ça fasse tac, tac. Voilà, et que ça laisse bien libre passage comme celle qui est juste à côté. Ma vie, c'est les coffres-forts, les serrures, les moyens de contourner le puzzle que la plupart des fabricants mettent en place quand on veut justement sélectionner le droit d'accès mécanique. On ressent tout plein d'énergie qui arrive quand on passe d'un état où « waouh, est-ce que je vais y arriver ?» au moment où, ça y est, ce petit moment de jouissance, c'est bon, je l'ai. C'est vraiment une grosse vague d'adrénaline. Même s'ils sont fabriqués de la même manière en série, ils ne sont jamais montés de la même manière par les mêmes personnes, ce qui fait qu'ils sont tous un tout petit peu différents. Le coffre-fort va être un peu l'excellence, un peu « oh tiens, je suis dans une soirée et il y a Naomi Campbell ». Le coffre-fort, ça va être Naomi Campbell. Bon, la serveuse est sympa aussi dans cette soirée, mais si ça, c'est plutôt la serrure de bâtiment. Ça fait des années que je me retrouve avec des appels de différentes personnes qui sont dans le métier de la serrure, qui veulent apprendre et donc évoluer. Et je n'ai pas de structure qui me permette de leur apporter un parcours académique dans l'apprentissage du « je deviens dépanneur, ouvreur, faire la maintenance de coffre-fort jusqu'au point de pouvoir fabriquer ses propres pièces de coffre-fort qui sont des coffres-forts anciens, donc on n'a pas nécessairement la possibilité d'obtenir les pièces sur catalogue sur Amazon. » Et Slaskar m'appelle un jour, elle me dit « oui, j'ai eu ton numéro, je suis serrurier, ça fait déjà 3 ans, j'ai fait le tour de la question. » Il propose une rencontre. Et je tombe sur Tony, volubile, sûr de lui. Bon, ça fait 3 ans que je suis dans la serrure. Les gens m'ont appris. J'en suis à un niveau où je me traîne un peu, parce que je comprends toujours la même chose. Le coffre-fort me semble être l'étape suivante. Et je dis maintenant, voilà comment va fonctionner. À chaque fois que tu as une opération, ben je viens pour toi, et comme un sous-traitant, je vais te montrer comment on fait, mais sur les cas concrets. La priorité, c'est les cas concrets. Et donc, j'appelle Jean-Christophe et il me dit « Ah, tu t'es souvenu de moi 6 mois plus tard et tout ?» Je dis « Non, mais voilà, je suis devant un coffre et tout, la cliente, elle m'a déjà fait le chèque sur la table et tout. Je suis en galère, elle a ses passeports dedans et j'ai besoin de savoir l'ouvrir. » Il faut savoir que j'avais la clé et le code, mais le coffre ne s'ouvrait pas. Donc, il me dit « Bah écoute, je vais te tester. Si tu n'arrives pas à ouvrir le coffre, ou si tu n'arrives pas à ressentir ce que moi j'ai besoin que tu ressentes, laisse tomber, ça sert à rien que tu me rappelles. » Ce jour-là, moi, ça m'a marqué. C'était vraiment magique parce que ce jour-là, il m'a donné une manipulation à faire 25 fois sur le coffre. Et en fait, au bout de là, il me disait au téléphone, au bout de la 25e, normalement, la porte est s'ouvre. Je l'ai fait 22, 23, 24, je compte 25, la porte s'est ouverte. Je m'appelle Philippe, je suis dans le coffre depuis 99 maintenant. On a vraiment du plaisir à faire ce travail.
C'est un travail vraiment très intéressant. On peut ouvrir des coffres avec qui on trouve des surprises dedans. On a un vrai défi qui se présente à nous. C'est ça qui est vraiment agréable. On a dû chercher un petit peu la solution. On a dû regarder à l'endoscope, ainsi de suite. Et voilà, on a réussi à trouver d'où venait le problème. On a réussi à retrouver la combinaison. Et ça nous a permis d'ouvrir. Tony, voilà, dès qu'il sent qu'il y a un truc qui peut... Et c'est ça une force aussi qu'il a, c'est qu'il va pas... Voilà, il n'a pas les yeux plus gros que le ventre et il sait que si des fois ça peut être compliqué, il préfère prendre conseil auprès des gens qu'il a autour de lui. Quand on est devant la bête, entre guillemets, c'est nous et le coffre, quoi. Et le coffre, lui, fait tout pour gagner, donc il faut vraiment s'accrocher. À chaque fois que je fais quelque chose avec lui, il arrive quelque chose. Soit on casse un outil, soit on se retrouve à travailler au fin fond d'un jardin dans une vieille cave où il y a des toiles d'araignée, on a l'impression qu'on est avec Indiana Jones. Soit exceptionnellement sur un coffre où il n'y a jamais une protection à un endroit spécifique, elle n'y est jamais. Et avec lui, on a cette protection qui est toujours enlevée ou qui n'est pas mise. Et voilà, c'est Tony. Moi, je l'appelle le Black Cat maintenant. C'est son nouveau surnom. Et puis, ça lui va très, très bien d'ailleurs avec sa petite chevelure brune. Là, il est très bien comme ça.